Partons pour la suite d'Hadès. Avec une reine à la lance éternelle, histoire de profiter d'un maximum d'obsidienne pour ce que ça vaut et de gemmes pour ce que ça vaut. J'avais pris le souvenir de Zeus. On va discuter avec lui. Ça commence à devenir chaud par contre là. 6. Là j'aurais zéro choix. Ça peut être drôle aussi. 4. Je me mets des mini-boss en plus chaud avec tout ça. Allez, et 6. Go. Bon, ça va devenir compliqué. Your mother Nyx is quite the catch, if you'll forgive my saying so, of course. Your father's never had much of a sensibility around companionship, though perhaps this concubine of his brought something out in him at last. Ok, Zeus. C'est tout bizarre comme conversation. Éclair avec l'élan, où ça? Ah, pression. D'abord, faut que je finisse ça. Petit poisson, hein. Fishing time, then. Nice. Un véritable dragon marin. Du nectar. J'ai de la musique a changé ici aussi. Et pas ça. Le je sais pas l'instrument mais les cordes là. Bon. Attention que la musique a changé. Quel puissant rapport avec ce qu'il y a dans le château aussi. On a encore fait chante. Peut-être que je me fais des idées. Je me fais sûrement des idées. Thunderous might. You shall soon forget about all that after a taste of this. On attaque ou on appelle. Okay. Grenade ou Déméter. Allez. Je succède tous, non? Pas trop ce qui se passe, mais. Moi, ça va. Hein. D'habitude, on a des débuts lents avec un million de ressources. Hein. Un million de bienfaits à la place, ça va aussi, hein. There's so much nonsense that the mortals say to one another of our family, Zagreus. How viciously the rumors spread, whether from that oaf Zeus, or likely from the mortal drunkard poets with no better use of their limited time. Kim. Ouais, lorsque un ennemi m'inflige des dégâts. Ensuite, boutique ou PV Max. On est PV Max parce que la boutique là, je pourrais acheter un article et c'est terminé. Who's first? Duck first.
Arès maintenant. J'ai vraiment la collection complète quoi. C'est... Ok, ok. Ah, du coup, c'est Miniboss plus fort, j'ai oublié ça. Ouais, je pourrais utiliser Tados. Il reste plus que les deux mini-boss standard. Plus d'armure. C'est lent. La mort, ok. L'élan. Parce que j'aimerais éviter d'avoir utilisé mon refus de la mort dans le tartare. Si possible, hein. Pour ça, faudrait peut-être que je me mette pas sur les pièges. Marteau. Deux dédales là. Piège d'une vie. Les armures qui tombent. Oh, cool. Si. Au bol ou Vimax. What else we got? Deux. Que je repousse, ses ennemis sont frappés par la foudre. Je sais pas s'il y a des trucs qui repoussent. Je vais prendre ça plutôt. Ouais. Ça a bien marché une première fois, donc on va tenter de réessayer. Ah, KO, bonjour. Ok. Ou une clé. Hit me. Est-ce que je peux avoir des dégâts de technique, hein, s'il vous plaît? On peut parler d'Inks aussi, c'est sûrement. C'est vrai qu'on a fait ça. Je l'ai fait dans l'épisode précédent, si ça vous intéresse. Combattre Hades avec l'œuf de Chaos. Mon assaut est plus fort ou j'obtiens des PV max. Ah non, mais quand j'utilise ma technique, je perds la vie. Oh. Oh, il y en a un. Bon, je vais quand même faire ça. Parce que c'est le tartare, ça peut valoir le coup. Je vais dire non à la boutique. On va aller sur Zeus. Ma technique déclenche un éclair. C'est bien pour après.
Ou alors je fais les étincelles. Pour le pour que le boss se fasse un minimum bien quoi. Je vais prendre ça. Allez. Go, ne pas utiliser la technique si possible. Tisiphone. Bonjour. No murder. Zagreus. Zagreus. Attends, attends. Oh, Zagreus, toi, Jane. Murderer. Murderer. Aïe. Ah, c'est vrai qu'elle a le stun. Elle fait plus nécessairement la combo. Elle a deux combos différentes maintenant. On n'arrive pas encore à savoir laquelle est laquelle. Il y en a une en deux coups et une en trois. Ça c'est la 3. Ça c'est la 2. C'est la 2. C'est la 3. Non, ça, c'est la téléportation. Oui, oui, oui. Pauvre barre de vie. Ok. C'est passé. Encore deux combats à faire sur la technique. Zouf. Est-ce que je garde la chevalière de Zeus? Je vais essayer de la faire monter de niveau. Technique fait plus de dégâts, c'est très bien, mais je peux pas utiliser pendant deux combats. 10% de vie quand j'endors. Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Il me faut combien de niveaux pour que ça monte de... Il faut combien de combats? 25 combats. Allez. Closer to the surface. Go go. There. PV max, oui, j'ai une petite barre de vie pour le moment. Faudrait que je commence à l'augmenter. L'agrandir. Qui est là? Qui est là? Identifie. Ah, bonjour. Les PO. Très content de l'hémolyte que j'ai envoyé beau milieu du part dans la lame. Hein. Cool. Ok, PV max en plus. Restaurer de la vie, Joseph. Pas très intéressant. Au bol ou boutique. Sûr que je peux altérer aussi. Altérer au bol. Sûr que je peux réutiliser ma technique, heureusement. Technique qui maintenant est labellisée
The Saucy. Les éclairs tapent sur une plus grande surface lorsque je m'élance. Wouah! On va remettre à jouer technique. J'avais oublié. J'ai oublié que c'était ça à la base. Alors. Bonjour. Ah, j'ai eu peur de l'hémolyte qui me poursuivait. Si c'est une grenade, non, hein. Laissez-moi tranquille. Mon attaque fait maudit. Lorsque je fais des dégâts, je maudis. Bon, je vais prendre ça parce que c'est aux FTR et... comme ça, on arrêtera de me parler de mon attaque. Arès ou Poséidon? Poséidon, j'ai l'ulti. Arès, j'ai l'attaque. J'avais pas un autre truc d'Arès aussi? Ah oui, j'ai l'élan aussi. On est voir Arès, je pense. Ah, c'est vrai qu'il se TP. Hein. Ah, c'est vrai que cette version du fight, par contre, je l'aime pas du tout parce que le land de choc est plus forte aussi. Cher, mais c'est passé. Plus de dégâts. Plus de dégâts. plus de dégâts. Bon, ça, c'est. Il y a lui et il y a le. La barge aussi que je déteste. Hein, en amélioré. L'Asphodel, ça rend l'endroit. Je me souviens davantage. Des phases de mini-boss qui me font mal en version améliorée. Je disais, je vois pas encore les capsules. Il y a aussi les mages qui font. Les mages sur les petits îlots là, les spies en Asphodel. Il va bien y avoir un truc en Élysée, je suis en mode au long quoi. Mais je vois pas encore quoi. Genre. Astérion, je me souviens pas de ce qui change. Digne, digne fait le poisson. Digne, comme il est bon. Petite magmas. Plaisir avant tout. Alors, cœur de centaure, de la thune et c'est tout. Ah, go les PV, hein. Steady now. Hermès ou la boutique? Ou Hermès? I know you've heard a certain rumor from a very skinny individual who's uninclined to move. Mm-hmm. Just keep that one to yourself, all right? Or else our jig is up and your father wouldn't like that, nor would you. So, cheers. Est-ce que c'est un aveu? Ah, les deux sont très bien. Hyper vitesse, hein, c'est mon fétiche, hein, mais... On a un Asphodel, là, du coup ça me ferait... Probablement... ouais, avec le temple du Styx en plus, ça fait pas mal de thunes. Je vais prendre ça, du coup. Et espérer tomber sur Hermès à nouveau. Même chez Caron, pour pouvoir racheter hyper vitesse.
Je pense en avoir besoin tout de suite, mais... Et plus tard, c'est toujours un plaisir. De les avoir mis pile poil dans l'alignement de balance, plaisir avant tout. Salut tout le monde. Finish. No more heads. That's impact. Salut Tados, merci pour le coup de main. La chevalière pour le moment, ça se passe bien et ça montrera peut-être son niveau. Tu nous démettes. Reviens ici, bon sang. Un monde, hein. Dans sa panique, il se prit directement le piège. C'est plus facile comme ça pour eux deux. Hein. Pour l'archer. In the name of Hades. Alors j'ai un bienfait qui devient commun et ensuite il deviendra incroyable. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, je les trouve cool. Allez, prendre ça. Sur quoi? Ah, j'ai perdu le côté épique de ma technique, dommage. Alors j'attends un peu pour que ça devienne héroïque. Faire un peu moins mal. Oh oui. 100 balles quand même. Hein. 100 balles. Dédale. Super cool, Dédale. Cool. Le balayage est meilleur, la technique frappe. Ah oui, bah, j'ai envie de prendre ça, mais allez, pour la prophétie.
Outil de l'architecte, succès déverrouillé. Incroyable. Trésor. J'ai pas de reroll. Je prends la thune. Monsieur, on ne reprend pas la lance. C'est confisqué. Ouais. Okay. Thune ou mini-boss avec Déméter. Déméter, ouais. Juste pour des... des passifs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a lui en mini-boss. J'ai oublié ce que c'était son... changement du coup. Est-ce qu'il y a plus de soldats qui pas? Peut-être. Ok, ça c'est bon, maintenant il faut que je fasse tous les soldats. Ça doit être qu'il y en a plus qui pop. Ce qui en effet est embêtant, mais ça va. Ouais. Ouais, je vais prendre ça. Un petit peu de sécurité en plus. Montée de niveau ici. Ça manquait un petit peu de dégâts quand même. En même temps, j'ai perdu beaucoup de dégâts flat avec la perte de qualité. Je suis remonté en rare, mais il manque. Passe en epic à nouveau. Je vais avoir ma base. Qui est monté de niveau. Bon, j'ai un chevalier de Zeus, je tombe sur aucun de Zeus. Poséidon ou Hermès? Je vais prendre Hermès. J'espérais tomber sur l'hyper vitesse. Si je peux l'avoir en bonne rareté en plus, bonne qualité, ce serait merveilleux. Ah oui, il y a aussi que les mages balancent 3 projectiles qui explosent au lieu d'un seul, c'est vrai.
Ah, c'est vrai. Olympus, I accept this message. J'ai pas l'hyper vitesse, dommage. Un élan en plus. Des PV ou de la thune. Je suis des 200 quand même un jour. Excellent. Tac tac tac, je vois un qui brille au passage. Zeus, Arès de nouveau ou un Poséidon? Tu veux faire de l'or, hein. I shall remember this, nephew. Tout est mis vous infligeant des dégâts et frappé par la foudre. La jauge divine se remplit plus vite, de 14%. An incorrect decision. Ares, forgive me. Time to bring him over. Super. Je me suis senti en contrôle là. Lorsque je tue un ennemi, ou ça reste plus longtemps et ça aspire les ennemis. Ça. Oh non, il y avait un coffre. J'avais pas tilté qu'il y avait un coffre. J'avais point tilté ma lance et ma technique est repassée en héroïque d'ailleurs. Épique, pardon, épique. J'ai plus de dégâts lorsqu'ils sont impliqués plusieurs fois. Allez, aux aftières, mais bon. Go. Bonjour messieurs, bonjour. Je pensais pas qu'il allait m'attendre. Je me cherche un peu quand même, hein. Oula, faut que je devienne meilleur, allez. Stands.
beaucoup de coups gratos là. Simplement aller dedans. La deuxième phase. J'ai dit bientôt la deuxième phase. Heureusement que mes sources de soins sont plus grandes. Hein. Dis donc, dis donc. Ça serait pas mal. Je vais garder ma thune. Est-ce que je garde la chevalière 9 combats pour qu'elle passe au rang sup? Je suis un peu moyen. Moyen sûr de moi quand il s'agit de. De survivre dans le temple du Styx. J'ai encore mes 3 vies après. Hein. Allez, tentons. Ça passera niveau 3. Sur cette run-là. Digne, 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 feu le poisson, digne, digne, comme il est bon. Bon, allez, viens là. Alors, j'ai un Poséidon, c'est mignon. Joseph. Choqué. The power of the gods. Okay. Ensuite. T'as un maximum de niveau. Foudroyant, t'es passé en quoi? C'est quoi, c'est héroïque ça, pour quoi? J'ai oublié le terme. Héroïque, oui. 60. Généralement x2 parce qu'il y a l'aller-retour. J'aurais bien aimé avoir les montées de niveau sur ce coup-là d'ailleurs, mais bon. Avec ce qu'on a, hein.
dernière vague. Ah, j'ai oublié de prendre la thune sur le côté. Bon, après la thune, à moins d'une soupe de betterave, je vais pas l'utiliser. J'ai acheté ce que je voulais déjà. Donc c'est pas bien grave. Au revoir, petit Cerber. Il avait faim. C'est vrai. Petit Cerber avait faim. I don't think I'll ever get accustomed to the breeze. Who shall be first to return home this time, do you? Allez. Je crois que j'ai le bonus de faire plus de dégâts lorsque je tue un ennemi, même quand je tue des petits crânes qui invoquent. C'est cool ça. I see.
Deuxième phase. Mon chevalier n'a pas monté de niveau d'ailleurs. Peut-être que les petites pièces du temple comptent pas comme un combat. Je vais monter de niveau là-dessus. Pas déçu. Aïe, tu m'as mis. You bested me. I'll... Et oui. Such strength. C'est beau de le voir. Bye. Si ça commence à devenir un peu chaud chaud, hein. Zou. Ah si, maintenant elle est passée. Cool, c'est pile poil hein. La vache. As he journeys to his mother's cottage in the cold, loudly speaking Zagreus calls out to hear the echo of his voice, the blast of sound causing a substantive amount of ice and snow to break off from a nearby mountain top and fall and fall and no wait. Aïe aïe, il a voulu tester l'écho. Zagreus quoi. Chaque fois il essaye un nouveau truc du monde qu'il ne connaît pas et paf, la mort. Le truc va essayer le bidet, paf, la mort. Emporté par le Styx. Oh, petite discussion. To check in with you again regarding the procession line that's right in front of you, right there. It's moving pretty slow. I know. Those shades, they just go on and on and on and on forever, blathering about this or that. I mean, Lord Hades, it's a wonder he can stand it, listening to them every day or night. Well, it's just, I think you were supposed to keep things moving, so if they're taking too long, I guess maybe you could say something, or any bright ideas? It's a toughie, Dusa, because I think it's important that the Shades who wait their turn, why, that they get a chance to say their piece. But it's a real tricky situation you bring up, so let me tell you what I'm gonna do. I am going to sleep on it. Get back to you. Okay, well, if you don't, though, I'll check in with you again later, I guess. Because I'm under orders, so, bye. Au revoir, Dusa. Goodbye. Terrible. Thank you very much, my son. You know, gift-giving customs of the underworld are just so much more straightforward than the complicated social graces of Olympus. If there are other ways of showing one's appreciation than with nectar and the like, well, they must pale in comparison, I'm sure. Ça quatre. Nyx has a very steady presence, doesn't she? I want to say she hasn't changed a bit since before you were born, but I know that she's been through a lot. She's always managed, and quite gracefully at that. Never seen her break a sweat over anything.
even when I confronted her about you. Though you two seem closer than I realized, I think. Well, your father isn't always the conversationalist, and Nyx, she was the first Chthonic god I ever met. I suppose she welcomed having another lady about the house. I'm sure she did. Ah oui, j'ai atteint son canage, je peux plus lui donner de nectar, Jean-Claude. Dying in some wretched manner, giving pets to my good boy sure helps me get back on my feet. Thanks for being here for me. The burning embers and the eyes of monstrous Cerberus, notorious hound of hell, reveal that he too is amenable to the pets of which the underworld prince speaks, and in fact is deeply grateful for the quantity of them. Speaking of which. Oh! Trop bien! Cadenas et défait. Et maintenant, je peux lui donner de l'ambroisie. Tiens. Alors, il doit y avoir des conditions, mais c'est un petit bonheur à la chance, c'est organique et non dit pour un certain nombre d'entre elles. The six eyes of the hideous hound of hell go wide at once from having received the exquisite gift of rare Olympian ambrosia. The creature is rather beside himself. Zou. Toujours plus. One thing before you depart again, boy. Until the queen's intentions with Olympus come to pass. Oui, moi je veux bien que les projets de la reine se réalisent, mais. Do you understand? J'aimerais savoir comment. But she won't have to hide forever. Après, je pourrais chercher sur internet, hein, mais pour le moment, je me dis, je fais des runs et puis on verra bien ce qui se passe. Hello, my friend. Bonjour. Tiens, prends du nectar. I am indebted to you, Zagreus, both for your friendship and embarrassment of generosity. And I, in turn, am indebted to you, Orpheus, for your calm demeanor and ability to accept life's greatest challenges. You inspire me, and I wish you the best. Ah, canal est atteint pour fait aussi. Hey, Orpheus, I take it you know all about the time I burned my father's hands to a crisp the moment I was born. He grasped me by the feet, and they caught fire. That's why he still wears those fancy rings, to cover up the hideous scar tissue. Oh. But that is such a splendid tale, Zagreus, deserving to be sung both far and wide until it turns into the stuff of myth, as deathless as the gods themselves. Ah bon, glad on est là. To tell that one about. Great. Ça s'emballe un peu quand même. Achilles, I was wondering if you'd split this with me at the lounge. A small excuse for both ourselves to take a break. On va boire avec lui comme on l'a fait avec Orphée. Trop bien. How can I decline? I'll see you there. Le temps passe. I was a fool, you see. The gods promised me eternal glory beyond death. I could have stayed out of the war, stayed home with Patroclus. I threw everything away and sent so very many to this place. What's done is done, sir. In my mind, you're the greatest warrior who ever lived. So is it glory you still seek, or is it Patroclus? It isn't glory anymore, lad. I'm sure of that. Patroclus, however, I fear he's gone to me forever. Although his shade might yet reside within this realm, we left on terms I'd not forgive if I were him. Though, I had better get back to my post now, I think. No. I hope I didn't cast a greater pall over this place back there. Et donc, ça me permettra d'en parler à Patrocle. De la manière que quand on a bu avec Orphée, on pourra en parler à sa muse, mais je l'ai pas croisé depuis. Attends, le cadenas. Ok, ok. Hey, listen a moment, lad. I require your discretion with regards to whom we spoke about last time. Bien sûr. I understand. What can I do about this, sir? It must be something. But you have to let me know what's going on. Simply put, he is the reason that I'm here. Patroclus lost his life before I did, because of me. I shortly followed, in a rage. When I arrived here, I received a hero's welcome. Your father himself ushered me to Elysium. But that's not what I wanted. You wanted to see Patroclus, but he's in Elysium, or you... Oh, no. I signed a pact, lad. Felt the terms were good enough. He could live there. Well, I'd live here, at least for now. Such deals are most uncommon, and their confidentiality must be upheld. Oh. But
Let's speak no more of this for now, all right? Some other time. All right. Ok. Intéressant. Il va y avoir moyen de sortir d'ici, non? L'ancienne malédiction et raison de lui. You are returned. Et ouais. Lately from the goddess Athena, Nyx. She seems to admire you. I thought Olympians didn't like our kind. They typically do not. But you are family, child. And I, why? I believed Athena wise enough to understand why someone such as I would seek her in particular. She has in turn made others in her family aware. You make a good team. Personne au salon. Give me the best deal you've got. I'll take it. Let's see that nectar. Un petit 20ème ici, alors je vais le dépenser là. Bon, j'ai un poisson que je pourrais filer, mais j'irai la prochaine fois, je pense. Sans te filer un gros stock. Peut-être plus rigolo. As though imagining the customs of the mortal life brings them some sense of peace. I wish I did not know that. Alors, j'ai 160 gemmes. Well, I don't see why not. A bit more mood lighting in the main hall is certainly in order, isn't it? The light of Ixion is bright enough. Ah, c'est gros flambeau. Pétales éparpillés. These undead flower petals ought to add an extra touch of elegance, I think. What are you doing to my central hall? Je mets le boxon. Des petits pétales. Des grands flambeaux. Ça, tout va pouvoir cramer. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Obsidienne, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ah oui. Voilà, j'ai tout donné. Très content. Been here the whole time. Petit menteur, je t'ai invoqué avant. Ça. Alors, du coup, lui, je l'ai maxé. Une question que je me pose, c'est s'il faudrait que j'aille leur parler avec le truc maxé aussi. Je vais passer sur lui. 39. 9 combats pour le maxé, ça doit le faire. Et à côté de ça, en parallèle, je continue de distribuer mon nectar. Et si je tombe sur Aphrodite ou sur Dionysos, je chope leur lancer pour essayer de choper les deux trucs qui me manquent là. Enfin, deux prophéties déjà ici. En plus de tous les autres trucs où il y a marqué prophétie là. On verra bien ce que ça donne. Zou ! Ça c'est pour le prochain épisode.